week-end tout le monde. Merci parce que nous branchons TNH. C'est téléjournal là qui rentre la caille nous, mais quelques points pour le développer. Processus pour bétonner 3,5 km route est en main vendredi 13 juillet dans quartier Raboto, ville Gonaïve. Tout le monde et le gouvernement répondent présent dans la séance interpellation chambre députée demain samedi 14 juillet selon le ministre culture et communication Joseph Guilherme-Sedelva. La police a déjà arrêté 101 personnes qui ont participé dans un pillage avec des choukaïs le week-end passé. Il y a des mesures qui déjà prend pour garantir la sécurité entreprise d'après le ministre de la Justice et la Sécurité publique, Jean-Oudi Ali, vendredi 13 juillet, dans le moment où il a visité plusieurs entreprises qui étaient victimes. L'autre point que nous avons développé dans le journal, la commission archidiocésaine justice à la paix mandé pour des mesures qui prend pour éviter violence et puis permettre droit tout citoyen respecté dans le cadre 16e journée porte l'ouvrir lutte contre violence vendredi 13 juillet 2018 là. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump a fait une visite d'état dans le pays Angleterre. Pendant la visite, le chef de l'État américain voyait jeter le projet Brexit, Theresa May, te présenté là. Nous avons donné après pause là avec le développement téléjournal. Journée pas de facile. Où tout est ça? L'autre nèg yo te occupé nan min nan. Yo rele nou pou vinn pote men. Et c'est là ça. Mwen wèl. So, ki sa ou fè? Sa un garçon tout bon ta fè. Ou rive sauver l? Madame Pitou non. Nèg brave sa ou jwenn force courage nan yon byèk ki tyanm, ki gen nanm, yon byèk solide, solide. Tankou, Turbo King, se zafè gason. Toujou enjoy boisson alcoolisé ak kontrol. Chérie, pou chan travay di, m pase nou ka ache belti kay sa wi. Belti kay, nou gen ti moun l'ekòl, nou pral pe université. Voyage, retraite, qu'on y a ici un gros problème. C'est notre quoi pour retraite là? Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. Et AIC a bien planifié l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion de problème. Et AIC a un flexi cash. Il aide à faire économie pour jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous avons des solutions. Décision. C'est non même lié. Est-ce que mon gars problème financier comme ça? C'est pas ça que m'a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continué de take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant AIC nous porte solution pour tout assurer. AIC prends une bonne décision. Relève AIC dans 28 12 63 00. AIC c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash! Désirable! Oublierez-vous, vignes réalité dans affaires la santé?
Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant coup, kyste, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïde, sinusite à quelques lot encore. Passez Kounia la Delma 13 Ruelle Mairie numéro 12. Ou bien relez dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. L'autre fois encore, on a salué tout le monde, nous content de rentrer la caillou avec le développement dernier sortie téléjournal là pour semaine long. On a démarré avec le processus pour bétonner 3,5 km route dans quartier Raboto, ville Gonaïve, qui démarrait journée vendredi 13 juillet. Et spécialement dans rue Égalité avec rue Antenor Firmé, qui déjà dans caniveau, travail décapage et terrassement et wapfait. Sabine Jean, Jean-Naël Duvernay. Jean-président Jovenel Moïse te promet ça, quartier Raboto dans Gonaïve pral konnen yon véritable embellissement. Journée vendredi 13 juillet 2018 là, processus décapage, préparation terrassement commence fait dans plusieurs zones dans Raboto qui pral bétonner complètement. Yon travail population Raboto applaudit. Remercie président République là son excellent Jovenel Moïse qui prend initiative ça pour permettre que retire moun yon dans la boue après 200 ans parce que nous même c'est dans zone n'a vive. Donc c'est la première fois que zone pral bénéficier bagaille ça parce que nous même nous levons ti monde dans zone à chaque fois que la pluie tombe, son véritable casquette chinois zone vraiment impénétrable inaccessible donc après 200 ans zone rue Égalité zone Raboto pral bénéficier travail bétonnage qu'a fait donc nous apprécier initiative là dès demain côté que président République là prend responsabilité pour venir faire ça les nous garder hier nous ouais tracteur vini parce qu'il nous en paquet l'autre pour venir paraître et puis travail la fête Jovenel a travaillé. Oui, oui. Le travail la pour fête là, nous te gen problème dans zone. Nous te gen pile problème, les la pluie tomber la boue. Moun pa ka passer, ou besoin dans marché ou pa capable. Nous besoin faire activité nous pa capable la boue, on paquet de l'eau, mais qu'on y a, c'est pas même bagaille. Et il a changé. Son bel travail qu'a fait, mais c'est bien longtemps que nous même dans Raboto nous te soif travail ça. Mais l'aime bien garder et sans attendre et bon c'est pas de bagarre nous t'ai pensé nous regardé hier et nous matériel vient paraître et tes premier travail qui était fait déjà bien que nous même dans zone nous t'ai pensé que on prend ce bagarre comme ça t'a nous juste prendre bon ce bagarre était fin oublié nous mais l'aime garder nous on prend matériel paraît vraiment vrai on prend depuis finaliser travail là que nous même dans zone nous dit que on prend son très belle initiative vraiment vrai nous communauté à l'île très vulnérable en termes de rentrée économique nous dit les travail ça reprendre là il y a une quantité de monde qui pourra joindre un petit debout pour le dégager. Bon, peut-être assez en marge de l'ouverture des classes. Nous disons ça, c'est vraiment important. Il pourra permettre que les riverains joignent un petit bar dans la main pour que les gens soient capables de préparer rentrer à l'école. Ti moun yo. Nous avons souhaité que y ait plus d'ouverture qui fait, y ait plus d'yeux qui ouvrent sur la cité. Parce que je dis, ça dit des cités, ce n'est pas vrai. Les cités, les cités de non-droit, ce n'est pas vrai. Je dis, nous ne pouvons pas accueillir les gens dans la boîte, ce n'est pas vrai du tout. Je dis, nous souhaitons que. Il y a plus d'ouverture qui fait en dans zone là parce que si nous voulons combattre délinquance juvénile là tout bon faut que il y ait plus d'ouverture qui fait dans zone là ou Égalité ou Antenor Firmé ou El Camayol ou Clairvaux c'est toute zone ça qui pral bétonner ingénieur Franz Saint-Ilien responsable chantier a expliqué c'est en valet 3.5 km route qu'a fait dans Raboto technicien au pral travail sans arrêté pour remettre travail là dans un temps record nous fin décapé qu'on en a essayé rapidement faire enlèvement tout de suite. Et combien de jours pour ce décapage là capable de durer? Naturellement, c'est dans tout Raboto n'a travail, nous gain Rudy Ké, nous gain Riel Camayol, nous gain Rue Jean-Jacques Dessalines, nous gain Rue Égalité côté n'a Paléa, nous gain Rue Christophe, nous gain Rue Clévoto, n'a pété de tout côté ça encore. Ça dit que nous pas avoir exactement combien de jours, mais son processus n'a pas aller rapide là pour nous mettre nous à point pour nous commencer. Faut nous mettre nous voulons mettre Raboto en chantier à partir de mardi pour Raboto en chantier. Population Raboto ba garanti a protocolé ak technicien yo et puis protéger équipement kap travail sous chantier a. Yon travail kap permettre Raboto prend route progrès économique ak développement.
Merci Sabine Jean-Étienne et Naël Duvernay. Ministre Culture et Communication, Joseph Guilher-Sedelva, pote démenti sous rumeur qui a circulé concernant gaz là. Ministre Delva a demandé population à arrêter tête frette parce que prix gaz là pas changé. Il t'a répondu une question en 6 mars. Mandé tout le monde qui tend des rumeurs qui a couru qui a dit gaz va monter ou bien gaz des fois il dit le monter déjà, des fois il dit va monter à telle heure. N'a dit tout le monde ça c'est des rumeurs, de fausses rumeurs, des rumeurs qui a couru pour justement chercher déranger l'ordre des choses. Donc nous disons pas occuper ban rumeurs ça et pour le gouvernement continuer mander population arrêter tête frette pour que pendant que le président de la République là Jovenel Moïse a rencontré avec différents secteurs dans la vie nationale là pour que les gens nous-mêmes haïtiens tout haïtien quel que soit côté trouvé dans opposition ou bien dans pouvoir ou bien dans la société civile, quel que soit côté qu'a trouvé, nous qu'a mettre ensemble pour que nous adresser problème que peuple haïtien a. Responsable centre universitaire management et productivité CMP Pierre-André Guillaume dénoncé comportement pillage et déchoukay week-end passé. Pierre-André Guillaume qui t'a expliqué comment individu pas rivé identifié piller et puis bouler local CMPA. Mande autorité concernée prend décision nécessaire pour accompagner et puis dédommager responsable institution et entreprise qui victime en bazak sa yo. Pierre-André Guillaume tenant micro Johnny Arbicaseus et Bernard Marseille. Les agressions ont commencé dans l'après-midi du vendredi 6 juillet vers 4h30 alors que des étudiants, professeurs, staff administratif et moi-même nous préparions à commencer nos activités pour la vacation du soir. Les manifestants ont assiégé notre local en mettant le feu à la barrière et en essayant de la défoncer. Le lendemain, soit le 7 juillet, les manifestants assaillants sont revenus à la charge et cette fois-ci ont envahi et saccagé le local, pillé tout le contenu, matériel, mobilier, équipement informatique, équipement énergétique, matériel didactique, dossier. Puis ils l'ont partiellement incendié. Nous lançons un appel aux autorités du pays, aux mécènes, organisations internationales, associations de droits humains, pour qu'ils nous aident à reprendre nos activités le plus vite, afin de rester au service de la jeunesse, des entreprises et de notre pays. À nos 600 étudiants, nous disons merci pour leur support. Nous leur promettons que nous allons déployer tous nos efforts pour leur permettre de terminer leur année académique et poursuivre leurs études au CMP. Nous allons poursuivre avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Oudi Ali, qui visitait vendredi 13 juillet à plusieurs entreprises qui étaient saccagées, 6 à 7 juillet, qui sont passées. Visite ça a gain pour objectif assurer entrepreneurs sur mesure qu'a prend pour garantir sécurité entreprise et puis informer yo sous travail la justice déjà en main dans cadre poursuite qui t'a impliqué dans zak sa yo. Ministère justice et sécurité publique l'ont expliqué la police déjà arrêté 101 moun dans cadre dossier si là. Nous invitons à écouter plus explications dans micro Louinel Jean-Louis avec Bernard Marseille. Nous avons fait le devoir pour nous visiter l'entreprise SAIO, parler à l'entrepreneur pour faire connaître que la justice a fait travail. La justice est déterminée pour poursuivre les gens qui sont auteurs d'action SAIO. Ce n'est pas seulement des exécutants, mais les gens qui sont derrière l'action SAIO. Nous connaissons les gens, la population haïtienne, c'est une population qui n'est pas violente. C'est pas population qui boulait, c'est pas population qui pillait, mais c'est des bandits, on a dit carrément, qui pillaient, qui volaient à faire monde, qui dévastaient, qui détruisent bien les citoyens gagnants qui auraient dit pour y faire. Message là, c'est que nous voulons assurer entrepreneurs, nous voulons assurer monde qui victime, que la justice a fait travail, comme nous avons constaté déjà au niveau d'une série de juridictions, par exemple à Port-au-Prince, il y a 101 personnes qui étaient arrêtées dans le cadre de dossier ça. Au niveau de la juridiction de la Croix des Bouquets, par exemple, il y a 22 personnes qui ont arrêté. Et même au niveau de Port-des-Pères, il y a près de 7 personnes qui ont arrêté, personnes qui participaient dans
dans pillage qui participaient dans vol à fait monde pendant situation ça. Nous sommes capables d'assurer tout le monde tout. La justice a fait travail, il y a tout le monde qui est impliqué dans l'action. Ce n'est pas exécutant, monde ou TOS sous place socialement, mais auteur, co-auteur, commanditaire, tout le monde qui participait. La justice a fait travail pour le joindre monde ça. Le commissaire gouvernement met l'action publique en mouvement pour permettre de joindre bandits qui participaient. Non, pillé à faire monde qui participait, non détruit, qui participait, non dévasté. D'ailleurs, le code pénal là prévoit infraction ça, sanctionné. Donc, tout le monde qui a un problème, qui est impliqué, non question voler à faire monde, question pillé, question destruction, dévastation, bien monde. Dans le cas d'événement ça, il y a besoin avec la justice et m'assurer que la justice a fait cours normal. Gen coordonnateur général coordination nationale société victime coopérative yo Konasovic qui condamné vendredi 13 juillet zak déchoukay écrasé brisé pillage ak lote qui fait dans entreprise ak lote institution privée dans région métropolitaine Port-au-Prince pendant week-end qui sont passé. Secrétaire général Konasovic l'a expliqué tout peuple gen droit revendiquer mais toute revendication doit faire dans la paix sans craser briser sans voler avec pieds à faire moun qui c'est mauvais image pour pays. Secrétaire général Konasovic là Rosemont Jean tenant micro Hertelou Marie Dieudonne avec Laurent Darly Jean-Jacques. Nous quoi action déchepiller craser piller voler bagaille moun c'est pas moun qui t'a manifesté pour gaz mais c'est nèg qui baille tête yo non qui gétant mettez dans liste kaye, qui est ce président, qui est ce premier ministre, qui est ce ministre, c'est yo participer qui infiltré mouvement population hein, cal de chien pillé, cal voler bagay moun en façon pour te lager pays a nan kouri. Ou pa ka di m, ou défend nou moun pour pas payer 309 goudion galon gaz et pour bouler une machine ni $250,000 $250,000 ou bouler une machine $50,000 $80,000 américains parce que on va protéger pour pas payer un gallon gaz c'est 309 goud ou pas qu'a dit moi défendre ni pour pas payer un gallon gaz 309 goud 273 goud et pour monter dans tête mon canapé vert ou vider l'huile sous tout maintenant pour la monter mon va défendre pour machine alpha accident avec. Député Rolf Papillon a annoncé bloc majoritaire dans chambre députée. Il dit déjà gagné un groupe de 60 députés pour bailler premier ministre Jacques-Guy Lafontaine un vote non confiance. Élu circonscription Koraïla fait qu'on est plus loin, il a déjà informé exécutif là sous décision. Il un extrait. Parce que on bagaille pour émeute ça au fin arrivé, généralement on s'attend à un changement. Et lorsque ce changement n'arrive pas, plus le changement se fait attendre, plus les conséquences sont capables graves. Donc, cet homme d'Akabdo sont soupape de sécurité. Il faut qu'on lâche pression pour que la société, pour que le pays soit capable de rejoindre un train de vie normal. Mm-hmm. Dans la réunion faite hier soir, là, avec le groupe majoritaire, nous étions plus qu'une soixantaine, selon l'information que nous avons de la presse. Mm-hmm. Ce qui s'est mis d'accord et qui s'est dit comment nous allons faire pour émuler le président. Parle de ça, nous discutons là et dans la protection. Bon, notez plus qu'on soit centaine. Alors, 60 sont chiffres qui sont assez symboliques parce que c'est chiffres qu'on a besoin pour prendre des décisions en bas. Alors, à partir du moment où il y a 60 députés qui sont d'accord sur une question, c'est-à-dire qu'ils passent déjà, sauf défection. Et même le tag défection, pas oublier qu'il y a 16 députés interpellateurs qui ont même qui clairent sous position qui est dans quel sens qu'ils pourraient voter. Donc, dans 60 députés, soi-disant, il y a là, il faut qu'on ait plus que 16, ce qui m'étonnerait. Et son dialogue, je pense qu'il était fait très, très ouvert, très franc. Côté chaque député débat a été partagé et crétio, a partagé opinion sur question au renvoi premier ministre. Et nous finissons par tomber d'accord sur un point. Et là, nous tomber d'accord, ça ne veut pas dire que les 72 députés pensent qu'il faut renvoyer premier ministre. C'est-à-dire que lorsqu'on bloque, c'est un compact que lié. Lorsqu'on gagne 72 députés, on gagne une quarantaine qui fait valoir que c'est dans ce sens-là pour nous aller, même n'ont pas d'accord, ou obligé plier à majorité. C'est ça qui fait que nous bloquons et c'est ça qui bat le sens. Décision finale là, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opinions contraires, il y a eu des craintes, il y a eu des questions, mais dans l'ensemble, tout député est d'accord que c'est ça qui peut le bailler gouvernement, il y a un souffle, c'est ça qui peut le bailler pays
une possibilité pour le continuer, c'est le renvoi du Premier ministre. Nous avons pensé qu'il était de bon ton, puisque nous appuyons le gouvernement, avant que nous parlions de ça dans la presse, pour que nous ayons primé la présidente de la République. Là. Donc ça, c'est une décision qu'il te prend, que nous avons fait une délégation. J'ai moi-même été mandaté pour transmettre le message au président de la République pour annoncer que la majorité APH a décidé de se désolidariser du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Bloc majoritaire dans la Chambre des députés a annoncé le pape supporter action gouvernement encore selon député Thomas Sikla Francisque de la Cruz. Une décision qui vient quelques temps avant séance interpellation qui prévoit pour demain samedi 14 juillet. D'après député Francisque de la Cruz, une membre qui est dans le bloc majoritaire, c'est la conjoncture qui motive la décision. Nous avons un problème, il faut remanier nous demander, mais la conjoncture politique a demandé que. Faut Premier ministre les sanctionner par rapport à Igon Saoulé en déficience de leadership. Le problème est Premier ministre là, tout le monde fait constat. Ou après plusieurs secteurs mandés, pas seulement le Parlement. Ou joindre ça, ou joindre secteur politique là mandé, on frange, bien mon cap mandé c'est rachement yoknet, c'est chaos. Bien on l'autre secteur qui mandé encore, c'est permettre que nous-mêmes gagnons remaniement. Mais nous-mêmes, au niveau parlement, avant d'être un remaniement qui fait, on ne peut pas passer tout le temps à faire remaniement. Et puis, résultat, nous-mêmes, c'est le résultat que nous avons cherché. Donc, nous estimons que le Premier ministre, là, il n'a pas de raison d'être. Lui-même, il connaît, il n'est plus Premier ministre. Il connaît ça très bien. Dans le moment où on a travaillé, on a parlé là, il connaît ça. Non, il connaît le nom de lui-même, même si là, il connaît ça. Parce que si vous avez. Au niveau du Parlement haïtien, un bloc majoritaire qui déclarait lui désolidariser la voix. C'est automatique, vous souhaitez démissionner. C'est automatique parce que c'est nous qui supportons dans le niveau du Parlement depuis nous désolidarisons. C'est automatique. Mais vous qui voyez tout, et allez vous et PM aller comme ça, ça capable de mener plus dans l'instabilité, non? Bah oui, moi-même. Bah oui, instabilité. Ya. Sauf que si l'aller, je pense que quelque part, l'a arrangé quelque chose, surtout sur le plan politique. L'autre point à développer, ministre Culture et Communication, Joseph Guilherme Sedelva, bah, garantit tout membre gouvernement à répondre présent dans la séance d'interpellation devant la Chambre députée demain samedi 14 juillet. Ministre Delva a déclaré interpellation, c'est une procédé système démocratique là, donc tout responsable doit plier devant principe ça. Ministre a répondu à une question en 6 mars. Dans la phase nuit là, vous gagnez. Trois, d'ailleurs, entités qui agissent. Vous avez un président, le président de la République, là, qui lui-même, après consultation, l'a fait capable d'arriver à des conclusions, capable d'avancer dans le sens. Et il faut le pour le faire, c'est droit pour le faire. C'est chef de l'État pour l'assurer que la situation est débloquée, que nous sommes capables de continuer à avancer. L'autre monde, le premier ministre, qui doit prendre décision pendant ma parler là, tout comme il doit. Et demain, il présente et que le Parlement prend une décision, et tout ça, c'est normal. Et l'autre entité d'Abula, c'est justement le Parlement fait dit là, qui lui-même, après telle décision qu'il trouve nécessaire, que la loi, que la Constitution autorise le point. Donc, nous-mêmes, le gouvernement, nous pas. N'a pas quitté le jeu démocratique la fête. Jeu politique là que le jouer. Et toutes les fois que le jouer, quelques agents jouer, une fois que ça respecté la procédure, respecté les normes, le gouvernement est pour le conformer là-dedans. Donc, je ne crois pas qu'on a un problème. Mais comprenez bien tout que les droits ont une autre approche, dans le sens que. Il y a des statements qui ont besoin de faire dans un certain espace, ou bien, ou pas qu'à fin qu'on est en définitive, parce que c'est politique, ou pas qu'on est qui ça qu'a fait, qui ça qu'a pas fait. Donc, peut-être, j'aime ce dit là, il est préférable qu'on quitte le jeu politique là, l'y jouer, le jeu démocratique là, que l'y jouer, et puis, issue le bail là, la bail et puis,
tout le monde a conformé à ça que la réalité a eu. Donc, nous avons besoin d'anticiper ça qui va le passer. Donc, on quitte les jeux de politique en jeu. Ministre communication qui va garantir tout membre gouvernement à présent dans séance interpellation chambre de député qui prévoit pour demain samedi 14 juillet. Sur notre ça, on prend une deuxième pause dans le téléjournal là, on chaque jour dans la vie, on est pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Yon choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec une machine agricole qui est plus performante, avec un développement plus route qui peut mener en pile. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. Lille Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que vous prenez chaque jour dans la vie. Développement société, quel que soit domaine ou pévolière, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. L'IPAP jamais la guerre dans route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur dirait plus longtemps. Caoutchouc sin tok tèt chat sa yo encore. Mais pa gen men, c'est sale caoutchouc qui sont dans top tayez pour mettre en bas votre machine nous. Ou a joine yo tout côté pour rouler caposé. OK. Pas oublier, top tayez. C'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendez-moi 4 caoutchouc. De quel grosseur vous voulez? Quoi? Top tire, c'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Nous retournons après pause la commission archidiocésaine justice à la paix qui réalisait 16e journée porte ouverte contre violence vendredi 13 juillet sous thème combattre violence exiger une gouvernance pour construire la paix, respect, droit et dignité moun. Dans l'occasion, plusieurs responsables dans l'organisation ont plaidé pour droit tout citoyen dans le pays à respecter. Pendant, il a demandé pour des mesures à disposition qui prend pour couper violence en dans le pays. Secrétaire général Gilles Apla, Joël Joseph, et directrice exécutive là, Jocelyne Nicolas Noël, tenant micro Heurtelou, Marie Dieudonne, et Laura Darly Jean-Jacques. Dans l'occasion, la commission a partagé, réflexionné, observation, li fait
donné li gagnent sous réalité violence à criminalité à dans zone métropolitaine et spécialement. Donc c'est ça qu'a fait là, nous pas qu'a fait le 11 juillet mais nous fait le jeudi à et pour capable partager information. Depuis l'année 2002, commission a été choisi faire observation violence et violation droit monde comme une dans axe travail. Malgré toute dénonciation, toute plaidoyer, commission a constaté violence l'en vient tourner une cancer cap détruit pays. Commission a demandé 1. L'État a dû prendre responsabilité pour dédommager tout le monde qui est victime. Sans li pa bliye ti machan yo, dwe gen bon jan programme social pour soulager misè pèp la. La justice dwe garanti respect droit moun nan société. Collectif Défenseur Plus s'est présenté vendredi 13 juillet à rapport bilan sous situation droit moun nan peyi a pou 6 derniers mois que sont passé yo. Co-directeur exécutif Défenseur Plus là Antonal Mortimer dit déplorer zak violence pillage a crasé brisé qui fait pendant week-end passé a. Dans sens ça collectif là fait plusieurs recommandations. N'ap suivre. Son rapport qui gagne 6 points. Premier point, passe en revue droit civil et politique. Côté nous parler des fonctionnements du système judiciaire là, et nous passer en revue fonctionnement tribunal, problème lenteur qui gagne, irresponsabilité et certaines autorités dans le système, là, question de détention préventive prolongée, influence pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire et manque de confiance population ou bien population qui a perdu confiance dans le système judiciaire. Là. Et qui est même temps abrongé avec phénomène impunité et corruption. Nous faisons état tout de CSPJ comme organe d'administration et de contrôle pour judiciaire là, changement qui sont fait la donne, même les changements ça a fait CSPJ avait pas cadré la constitution parce qu'il constituait essentiellement des hommes, pas des femmes, alors que tentative constitution amendée dit pour gagner 30% femmes dans chaque espace de décision. Et pour le droit social et économique, bon, là, lui-même, nous n'avons pas même besoin de faire étalage sur ça. Ce qui est passé dans le pays en date 6, 7 à 8 juillet, il montre comment le niveau de situation économique de la population a dégradé. Mais nous pensons que c'est intéressant pour la population de continuer à faire tant de voile, sans ne pas obliger de faire pillage, sans ne pas obliger d'agresser les gens ou bien faire. Avec vandalisme ou bien monde. Défenseur Plus côté PAL pensait que la situation a changé si chaque autorité jouait le rôle supposé jouer pour le changement qu'a fait. C'est pour ça que Défenseur Plus fait quelques recommandations à l'autorité qui concerne. Pour suspendre violer les droits de la population. Pour renforcer le contrôle du système de justice. Pour libérer le système de justice de pression politique et chantage économique et établir vraiment un état de droit dans le pays. Prendre bonne initiative pour faire disparaître la misère dans le quartier populaire, pour nous suspendre l'exploitation gang et d'armes. Désarmer tout le monde qui a des armes illégales dans le pays. Puis bien équiper la police nationale, faire appliquer les textes royaux et punir tout le monde qui pense qu'il a des droits pour passer de eux. Développer une stratégie pour améliorer l'agriculture pays et mettre un système d'irrigation pour de l'eau disponible pour l'agriculture. Coordination nationale militant parti haïtien tête calée dans la commune Croix des Bouquets porté soutien yo bay administration Moïse et gouvernement Lafontaine. Militant sa yo qui t'a intervenu dans cadre d'une conférence pour la presse vendredi 13 juillet félicité président Jovenel Moïse pour réalisation dans pays a pendant yo mandé chef l'état continuer porter satisfaction par rapport à besoin population. Quelques là d'ailleurs té dans micro Louinel Jean-Louis et Michel Joseph. Condamné à toute force yo. Condamné à tout nom yo, zak violence qui sont faites sous pays ya, surtout dans la capitale Port-au-Prince. Côté en pile business ak bien privé citoyen yo détruit. Coordination PHTK dans Croix des Bouquets. Profitez même occasion ça pour féliciter président Jovenel Moïse parce qu'il te descend prix gaz là sans perdre du temps. Peuple haïtien, restez sous. Ou te votre président depuis le premier tour. Ou te l'île.
ou te bal yon mandat pour le travail dans le pays. Et nous, le président a une volonté, il a un pile amour pour le pays, ça, et il a travaillé. Le grand chef gouvernement, qui c'est Jacques Guy Lafontan, d'ailleurs, nous connaissons, c'est une dévotée, mais pour le diriger, il faut un cabinet, il faut une équipe. Nous camper des positions président. Tout ça, c'est camper derrière. C'est nous qui avons voté. Jean-Michel 8, on a pris une autre pause. Le tourné n'a pas les nouvelles internationales. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérés disent ça au fin de pays, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec des data. C'est celle qui va relever illimité sur data avec limite. En écrit, nous voulons gros le roi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin de pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein gros le pao là, Digicel. Oh! Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celle des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la Faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14 rue Légitime Chaudemars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. N'a plus ouvert page internationale là, dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a adressé une lettre by Tokay américain Donald Trump jeudi 12 juillet. Important, confiance et progrès historique, ces mots leader nord-coréen employé dans lettre ça, président Trump publié sur compte Twitter qui datait 6 juillet. Yon confiance Kim Jong-un voulait renforcer avec bon gens action. N'a rappelé président américain a rencontré Tokay nord-coréen dans cadre yon sommet historique dans Singapour 12 juin qui s'est passé. Bilan yon pas suspendu augmenté dans pays Japon après inondation et glissement terrain dans cadre gros la pluie qui frappait l'ouest pays a. Yo joine en plus passé 200 corps et puis environ 130 autres toujours disparaître dans région Hiroshima, une zone qui pi touché yo, sinistre yo déclaré yo perdu tout ça yo te gagné. Plus passé 70 000 militaires, pompiers et policiers a participé dans recherche avec déblaiement. Température dépassé 30 degrés, ça vient compliquer la vie sinistre yo et puis ca favoriser propagation maladie attrapant. Dégâts matériels évalués à plusieurs centaines de millions d'euros pour seulement secteur agricole. La perte évaluée à 177 millions d'euros. Et puis, président américain Donald Trump est en mai jeudi à une visite la réalisée sortie 12, rivée 13 dans le pays Angleterre. Pendant visite ça, chef l'État américain voyait jeter projet Brexit Theresa May. Te présenté là. C'est tout ça de beauté pour vous dans page internationale là. Kounia n'a pas vite suivre Info Mondial avec Junior Gérard Joseph. Belgique Angleterre c'est pour la finale 21e édition Coupe du monde Russie qui a fait samedi 14 juillet 2018 à 10h du matin dans le stade Saint-Pétersbourg. Dans l'idée pour déterminer qui équipe qui prend 3e place compétition mondiale si là. Belgique, Angleterre, toutes les équipes sont dans le même groupe dans le premier tour. Diable Rouge a disputé le premier match le 18 juin dans le stade Sochi. Côté, il a fait tomber Panama 3 goals à 0.
Samedi 23 juin dans stade Spartak, Tunisie incliné face Belgique 5-2. Dans match ça, n'a pas appelé Eden Hazard, Romelu Lukaku réalisé un doublé au chaque. Jeudi 28 juin dans stade Kaliningrad, l'Angleterre tombé face Belgique son strict minimum un goal à 0. Goal ça a été inscrit par Adnan Januzaj dans 51e minute de jeu. Diable Rouge finit en premier dans groupe GA à 9 points sur 9. Belgique en 8e de finale contre Japon lundi 2 juillet dans stade Rostov. Diable Rouge était en situation difficile puisque ni point ont mené de goal à 0, mais c'était bien compté, mal calculé. Belge remonté au score et même bat sélection japonaise dans 3 goals à 2. Vendredi 6 juillet en quart de finale, Belgique éliminé équipe en 5 fois champion du monde là Brésil sur un score de goal à 1 et trouvé billet qualificatif li en demi-finale. 10 juillet qui saute passé là, Belgique pral connaît première défaite contre la France un goal à 0 sur un coup de tête qui réalisé par Samuel Ivan Umtiti. Mais bilan partiel équipe belge pour Coupe du monde là. Li marqué 14 goals, youn sous pénalité, li encaissé 6 pour 94 tirs tentés, 36 cadrés, 37 non cadrés, 21 bloqués. Meilleure performance Belgique en Coupe du monde avant ça, c'était en 1986, li fini en 4e position. L'Angleterre qui était présenté dans la rubrique précédente là, joué 6 matchs pour Coupe du monde là, li marqué 12 goals. 3 là-dedans sous pénalité, li encaissé 6 pour 81 tirs tentés, 20 tirs cadrés, 36 tirs non cadrés, 25 bloqués. L'Angleterre champion du monde depuis en 1966 sous République fédérale l'Allemagne. De développer dans le journal ça avant nous aller. Processus pour bétonner 3,5 km route et temps vendredi 13 juillet dans quartier Raboto, ville Gonaïve. Tout membre dans le gouvernement a répondu présent dans la séance d'interpellation chambre députée demain samedi 14 juillet selon ministre culture et communication Joseph Guilherme Cédelva. La police a déjà arrêté 101 monde qui a participé dans un pillage et des choukai week-end passé. Il y a des mesures qui déjà prend pour garantir la sécurité entreprise. D'après déclaration ministre justice et sécurité publique, là, Jean-Oudi Ali qui a visité plusieurs entreprises qui étaient victimes. L'autre point de développer, commission archidiocésaine justice à la paix, mandé pour des mesures qui prend pour éviter violence et puis permettre doit tout citoyen respecter dans cadre 16e journée porte l'ouvrir lutte contre violence vendredi 13 juillet. À l'étranger, président américain Donald Trump a fait une visite d'état dans pays Angleterre. Pendant visite ça, chef l'état américain voyait jeter projet Brexit Theresa May présenté là. Merci à vous-même qui t'es prêté attention pendant tout téléjournal là. Merci à production, merci avec salle rédaction. Nous souhaitons passer un très bon week-end en compagnie télévision nationale d'Haïti chaîne 8.